Mais non! Faut le mettre à... Et non! Tu te fous de ma gueule là! Et ça va pas le temps! Mais non! Oh, mais non! Bon, ok. Voilà, c'est là que ça c'est bon. C'est bon, t'es content? Ouais, là, on je peut leur content. Dire bonjour maintenant? Mais non! Enfin oui, ouais, vas-y. Bonjour! Bonjour! Salut à tous, c'est Parra, je suis en compagnie de KP59 pour ce nouvel épisode de notre série Broken Kingdoms. Yeah. Non, je suis pas d'accord. Salut à tous, c'est KP59 et je suis en compagnie de mon équipe Parra pour un nouvel épisode de notre série Broken Kingdoms. Et moi, je suis en compagnie de mon larbin KP59 pour. Ah voilà, vous m'avez compris. Et voilà. Donc, c'est parti. Donc, au programme aujourd'hui, épisode 11. D'ailleurs, je vais mettre là, épisode 11, yeah. Cool! Oh, ça fait. Donc, épisode 11, qu'est-ce que ça dit, toi, épisode 11? Ben, alors, l'épisode 11, c'est le chiffre, enfin, c'est le nombre qui suit 10 et qui précède, attends, qu'est-ce qu'il y a après 11, c'est 12, qui précède 12, voilà, c'est ça. Ouais. Donc, ben, aujourd'hui, au menu, on finit vite fait la salle des coffres. Alors, moi, je vais pas chercher aujourd'hui, le... nous avons le plat du tais-toi, four. Tais-toi. Oui, donc, maîtresse. Donc on va rapidement finir la salle des coffres pendant que toi tu finis tes murailles, je sais pas si elles sont finies. Est-ce qu'elles sont finies tes murailles? Non, t'as pas fini de déblayer tout, tout... Non, les, lui, là il n'y a pas de problème de déblayassation. Squelette. Il n'y a pas de problème de déblayage, donc ils peuvent normalement plus passer de cette façon là. Par contre, ben j'ai pas fini toutes mes épaisseurs de mur. Aïe. D'accord, donc faudra que tu essaies d'avancer ça le temps que je finisse la salle des coffres, et ensuite va falloir voir comment faire, puisque moi j'ai besoin énormément de cobble pour finir la tour. Et il faudra aussi, bien sûr, commencer le deuxième bâtiment qui est le cimetière. Voilà, ça a l'air un beau programme, me semble. D'ailleurs, ce que je te propose, c'est peut-être de faire d'une des maisons, tu sais, les sortes de tombes... Je sais pas trop si tu vois un mausolée. Dans... On appelle ça un mausolée. Un mausolée, voilà, si tu veux. Donc je te propose. Le problème c'est que c'est en bois, donc je sais pas trop si ça fait réaliste ou pas. Ouais, bof. Hein. Ouais, ça donc, paraît non, bizarre ouais. Quand même. On va laisser tomber alors. Oui. Donc là, ce que je fais, c'est que je récupère du bois parce qu'il nous faut du bois normal, pas du bois de jungle, pour continuer. Dans la jungle. Ce qu'il faudra peut-être faire, c'est commencer à surveiller les alentours pour voir s'ils ne vont pas nous attaquer, puisque ça commence à faire un petit bout de temps qu'il n'y a pas eu de PVP. Oui, c'est exact. J'ai envie de dire que ça commence à être lassant, mais comment dire c'est le programme pour l'instant, très chargé. On n'a pas de problème. Il vaut mieux éviter d'avoir du PVP pour l'instant parce qu'on est un peu en retard. Ok, donc je suis en. Ouais, il va falloir que tu essaies de virer toute l'épaisseur qui est là contre le mur. Je vais devoir m'en occuper pour. Enfin, je vais devoir la couper pour. Moi, j'ai pas trop le temps de faire ça puisque je profite du jour pour aller voir le bloc de mort. Donc, je finirai rapidement ça, même si ça fait un truc dégueulasse et je finirai bien. Je ferai ça de toute façon dans les prochains jours. Donc, je vide un peu ma bouse. Hop. Ok, donc. On va surveiller quand même. Oui. Je ne vois rien d'apparent. Moi, je peux difficilement surveiller, hélas, étant donné que. Ben... Étant donné que t'es un glandeur. Oui. Non, mais je creuse, moi. Je creuse des chunks. Et je plaisante, petit. Je plaisante. Tu m'avais pas dit qu'on essaierait de faire un labyrinthe dans. Oui. Faire un petit labyrinthe dans l'obscurité, tu sais, comme ils avaient fait quand on était ouais, dans. Ouais. Bah écoute, je vais faire ça. Alors, on va monter à peu près à mi-chemin. Ouais, si ça me paraît correct, alors le problème. Ouais, hop. Si. Hop. Bon, vous allez peut-être pas voir grand chose. Enfin, disons que comme. Oh mon dieu, il y a des trous partout. Comme c'est des labyrinthes dans l'obscurité, ben. Ah voilà quoi. Bye.
Je viens de me casser la gueule, il y a des trous partout. Je suis un labyrinthe dans un Non, mais au pire, tu gruyère. peux mettre des torches et les enlever après, Non, hein. non, mais c'est pas que je suis dans le noir, c'est juste. Enfin, c'est surtout que je creuse dans un gruyère. Ouais, c'est vrai qu'on a creusé un peu n'importe comment. Et la grotte est très mal placée, en fait. C'est problématique. Au pire, ouais, non. Vous mettez pas. C'est mieux à poser de la cobble dans la grotte pour faire un labyrinthe à l'intérieur, puisqu'on a besoin de malin de cobble. Donc... Mais la cobble, je la garde, hein, j'en avais besoin, moi. Bon, alors désolé, ici c'est très très noir pour vous. Je m'en excuse. Et Pas de racisme, pas de racisme. ouais, ça va être tout noir. Ta gueule. Ah, du gravier, je déteste le gravier. Ah, le gravier. C'est pas beau le Par gravier. contre, tu vois, il y a un petit problème, c'est qu'on peut sauter directement sur la maison à partir de la muraille. Donc, comment on va ranger ça? Bonne question. Comment sait-il qu'on va ranger ça? C'est une question très pertinente, mon ami. Faut aussi que j'empêche de pouvoir monter avec des Ah, échelles. du sable! Oh mon dieu! Où est-ce que ça mène ce truc? Ok, donc là on est juste en dessous de notre salle. Ok! C'est pas pratique ça, donc je peux pas tellement creuser dans ce secteur-là. Oui. Oh zut, n'importe quoi. Bon, tant pis, on va aller dans cette direction-là. Bon, alors je me rendrai. Oh là là, c'est impossible. Je déteste ce truc. Bon, il fait un peu noir, je vais mettre. Allez, on va mettre une torche ici. J'ai des torches? Oui, j'ai des torches. Non, 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 non. Je sais pas trop comment on pourrait faire. À la limite, faire tu sais, une sorte de mur en verre, quelque chose comme ça. Ça fera un petit peu dégueulasse, mais bon. Faut que ça reste discret surtout, hein. Ouais. L'important, c'est pas qu'on puisse pas y accéder, c'est qu'on ne puisse pas le voir. Ouais, bon, imagine, ils arrivent comme ça dans la base. Ils sautent ici pour faire discret et Par hop, où on qu'est-ce que c'est? remonte? Ok, on remonte par ici. Alors, je vais juste reboucher ça parce que c'est un peu le bordel. Alors, Bonjour. bonjour. Donc, Donc voilà, j'ai presque fini et ça je me sauvais très dégage. rapidement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ouais, j'ai mon armure et je vais peut-être partir maintenant. Allez, à tout à l'heure. Adieu. Je pars chercher. Je sais un peu de l'indice. Tu te souviens toi du deuxième indice? Je te l'avais passé d'ailleurs. Négatif, Le il est dans livre. le coffre. J'ai mis dans un des coffres. Je crois que c'est celui du bois. Attends, j'ai regardé. Il me semble que c'était une quinzaine de pas au 15 blocs au nord-est. nord-est, il me semble. Attends, Voilà. je regarde. Written book by Tasso 27. 15 blocs au nord-est. D'accord, 15 blocs au nord-est. Donc on va chercher rapidement où est-ce que c'est. Où est-ce qu'il est le lac? Alors, il est La par là. salle des coffres est-elle opérationnelle? Ouais, par contre, j'ai pas fait de trou. Tu pourrais le faire s'il te plaît? Et vérifie bien que ce soit invisible. De trous. Comment ça, de trous? T'as pas fait de trous. Bah, le trou dans le toit, tu sais, pour qu'ils accèdent. Parce que Ah! là, sinon, la salle des coffres est inaccessible. Oui. Oui, je vais faire ça. Attends. Donc, je crois que. Il me semble que c'était. Ouais, ça, c'est le lac cuillère, il me semble. Tu as mis le panneau? Oui, le panneau y est, il faut juste casser le bloc et vérifier que ce soit Ok, bien invisible. donc en gros, je vais pouvoir. Bon, attends, je vais finir la deuxième épaisseur du mur. Oh, neuf. Voilà, ce qui nous donne un mur de 2. Ah oui, il va peut-être falloir que je finisse le rebord aussi, pour les empêcher de mettre des échelles. Ouais, c'est très important. Et mettre de l'eau tout autour, je sais pas trop si t'as déjà fait, je crois pas. Non, j'ai pas encore mis l'eau. Et d'ailleurs, il pleut, c'est absolument monstrueux. Donc, alors on a le coffre, donc on va avancer au nord-est. Non. T'as bien retenu où était le reste, hein? Ça m'étonne ça, pourquoi j'ai mis les torches comme ça, j'ai dû me planter. C'est nord-est. Donc le nord c'est vers la muraille, il me semble, hein, c'est bien ça. Attends, très très bonne question. Le problème, c'est qu'avec. Attends, il me semble. Oui, les nuages suivent le trajet. Donc l'est, c'est les murailles, effectivement. L'est, c'est les murailles. Ouais. Enfin, c'est vers la muraille, il me semble.
D'accord, donc si ça Je suis c'est. pas certain parce qu'il faudrait Non, je pense pas. Ce que je faudrait vais faire, c'est se guider avec le soleil. Le que. problème, c'est qu'avec la pluie, on peut pas voir le soleil. Bon, bah, je vais suivre mes torches, hein. Peut-être que je suis sûrement trempé, mais bon. Alors, 1, 2, 3, 4. Bon, pendant que je compte. Donc là, de toute façon, tu sais comment compter, hein. Relation 10, de châle. 11, 12, 13, 14, 15. Il n'y a que 15 blocs? Oui, c'est Doucement. 15. Wow. C'est 15, mais c'est. Je crois pas que ce soit ici, c'est quand même étrange. Il t'a pas dit s'il fallait creuser ou quelque chose Non, comme ça? mais il est possible qu'il faille creuser. Ah, attends. Il est possible qu'il faille creuser, mais attends. Je vais faire un tour comme ça, toute moche. Et je regarde dans mon dernier rang. Tu peux pas, en théorie, tu peux pas mettre de tour vu que tu peux pas escalader. Enfin, tu peux pas poser de bloc normalement. Ah oui, c'est vrai, bon, je vais enlever ça alors, du coup. Bon, alors tu m'as Hop. dit de faire le Je mets trou pour une torche. que puisse accéder. Le trou, c'est au milieu, non? Le trou, c'est au milieu? Pour la salle des Ouais, coffres. oui, c'est tout en haut, au milieu. Ok. Merde. Hop. Attendez, pourquoi j'ai aucun son moi? Bon. C'est étrange ça. Oh là là. Je regarde rapidement ça. Veuillez me Bon. pardonner. Attends, je vais couper ça. Voilà. C'est même trop fort là. Bon, je vais retourner aller chercher de la cobble. Donc ouais, ou c'est en haut d'un arbre, ou c'est en bas, donc on va creuser. Et vu que je suis vraiment pas sûr de. Vu que je suis vraiment pas sûr du nord, je pense qu'en fait je me suis sûrement trompé. Bah à la rigueur c'est nord 15 blocs nord-est donc bah tu prends toutes les... tu cherches dans toutes les diagonales comme, vu que tu n'as que 4 diagonales possibles donc Ouais. ça te fait 4 possibilités donc t'as donc pour le prochain tu auras une chance sur deux de l'avoir Non, une chance sur trois. oui 3 pas 2 n'importe quoi oui non. Et pour le dernier, t'auras une chance sur deux. Par Bon, contre, on va petit peut-être récupérer. problème, voilà, il fait nuit. Est-ce que je reste à m'aventurer ici? Ou est-ce que je rentre? Ben, si tu pouvais chasser Je vais quelques rentrer. creeps. Oui. Wow. Oh. Si tu pouvais chasser des creepers, en fait, ça m'arrangerait. Ben, si j'en vois sur la route, oui. Parce qu'on n'a pas de TNT. Et bon, le TNT c'est un peu essentiel pour les séries PVP, tu vois. Le TNT, c'est bon, mangez-en. Non, c'est cancérigène le TNT. Non, c'est peut-être cancérigène. C'est bien les éclairs comme ça, je vois clair. Claire, elle est où? Non, non. Y a des cochons partout, mais il y a zéro creeper. Mais les cochons vont pas nous aider à faire exploser leur mur. Ah, qui sait, qui sait. Si on s'en sert comme bélier. Non, Ah, j'ai il y a des faim. gens qui ont déjà essayé de servir de cochon comme bélier. Bah, Ça, tu c'est vois, toi. j'ai faim. Là, je suis content d'avoir tes cochons dans Attends. les alentours. Tu as dégagé de chez moi, toi, connard? Oui, oh. Ah ouais, d'accord. Et t'es à Mais. l'intérieur? Oui? Enfin, j'entends un coffre, je dis, toi tu avais dit j'ai faim. Ouais. Hein? Comment ça? Comment ça? Ça veut dire qu'ils ont déjà le bloc d'émeraude, attends. Fuck! Attends, non, mais ils ont vraiment le drapeau? Yeah! Mon Dieu! Alors là, on s'est fait. Mais. Fuck. Faut voir rapidement à l'hôtel. Je vais voir à l'hôtel. D'ailleurs, on a un problème, c'est que avec ce que tu nous as fait, comme la salle des coffres, on peut pas ouvrir les coffres. Ah. Attends, j'ai rapidement récupéré tous nos blocs importants. Alors, est-ce qu'on a... Bon, on a toujours notre diamant, hein. Ils nous ont pas pris notre diamant. Alors Bon, là, donc ça veut dire qu'ils ont déjà leur bloc d'émeraude. bah normalement. En toute logique.
Attends, il y a du stuff là. On a si peu de fer que ça? On a que... C'est toi qui touche au coffre là? Non, c'est moi, oui. On a que 29 fer. Je pensais qu'on en avait plus. Attends, attends. Ah d'accord. Bah laisse pas comme ça parce qu'on peut monter facilement sur le toit. Bah je vais à l'hôtel rapidement et puis en chemin je chercherai après les creepers. Attends, je vais mettre tac tac tac, ça va là-dedans, je vais mettre ça. Ah bah là je suis deck parce que notre tour elle aura servi à rien, alors qu'on y a beaucoup réfléchi à notre tour. Oui mais le problème c'est qu'on est obligé de la finir maintenant. Oui, ouais. Bon bah on l'a fini à l'arrache de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, donc on est un peu dans la merde. Par contre, je sais pas comment ils sont rentrés, parce que... Bah, on a du mal d'habiller un truc, faut regarder si c'est pas des échelles ou quelque chose comme ça. Oui, bah en l'occurrence, on voit rien. Ah, oh, je déteste ce temps. Donc, voilà nos blocs. Et ouais, ils ont tous les blocs. Mais c'est pas étonnant. Donc, il nous faut vraiment l'émeraude. Si on a là, on est vraiment en retard en fait. C'est il y a horrible. Un bloc de lapis en plus en bonus dans un coffre. Oui, bon, on l'a déjà, ça sert à rien. On a tous les blocs sauf le bloc d'émeraude, donc il faut vraiment. Donc, ils ont bien pu rentrer. Alors là, il va falloir vraiment la jouer fin. Va falloir tout miser sur notre fausse salle des coffres parce que si jamais ils découvrent la vraie, là on est vraiment foutu parce qu'on pourra. La vraie est globalement indéfendable. Enfin, donc, attends, le seul avantage qu'on a sur la vraie, c'est qu'elle est difficile à repérer. Je regarde si on peut pas monter comme ça. Oh putain, tu m'as fait flipper. Non, mais je regarde si on peut pas monter comme ça, tu sais, en courant. Ouais, on peut. Ça doit être quand j'ai. Normalement, on pouvait pas, mais ça doit être quand j'ai agrandi le. Donc ouais, il va falloir corriger ça. Bah à partir de maintenant, tout le monde, il y aura toujours quelqu'un à l'extérieur qui fera attention. Ouais. De toute façon, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui construise la tour et le cimetière. Donc ce que je vais faire, c'est que demain à l'aube, j'irai rapidement chercher le bloc d'émeraude. Ensuite, il y en a un de deux qui ira miner et voilà quoi. D'ailleurs, je vais miner tout de suite. Enfin, je vais vérifier la salle des coffres. La salle des coffres est toujours là. Alors par contre, attends. Tu peux aller me chercher de la cobble, s'il te plaît. Tiens, je te donne ceci. Tiens, prends ma pioche en diamant. Je t'ai envoyé une pioche en diamant. Sur le... Ouais, ouais, je vois. Merci. Moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de... Ce que je vais faire... Ouais, attends. Ce que je vais faire, c'est peut-être m'arranger pour que les coffres soient un peu plus bas pour qu'on puisse les ouvrir. Oui. Il va me falloir donc de la cobble. Et je vais me refaire une hache. Bon, par contre, on a quasiment pas de fer, c'est assez dommage. Enfin, on a que 27 fer, c'est rien, c'est assez ridicule. Non, je peux pas faire ça. Ça va être chaud, hein, ça va être chaud. Tout à fait, Thierry. Ah oui, bon, évidemment, tout à fait, Thierry. De cobble. Et il y a vraiment aucun creeper extérieur, c'est incroyable. Ah fuck, j'ai pas de cobble. T'as un Frank. Petit peu de cobble sur toi, par hasard. Un là petit maintenant. Peu de cobble sur moi. Ah attends, on a des coffres ici, non? Ils sont vides. Ah, du bois. C'est tout, ok. Bon, j'ai récupéré un peu de cobble sur nos murs, en fait. Attends, je sais où les mettre, les coffres. En là, plus, ils sont bien masqués. Faire une hache. Bon, faut juste espérer qu'ils ne vont qu'ils pas ne voient rien repérer pendant qu'ils vont là. Ok, donc j'ai ma hache. Je sais pas trop s'ils vont s'aventurer à faire un truc, ça, une attaque maintenant. Okay. Non, là maintenant, non. Mais ils peuvent espionner quand même. Parce que là, mine de rien, ils ont tous leurs objectifs. Donc, ils vont se concentrer sur nous attaquer. Ça veut dire qu'on va être obligé à chaque fois. Ok, j'ai entendu un mot d'explosion, donc là, on fait gaffe. Merde, j'ai masqué. J'entendrai un bruit d'explosion, j'ai cru voir du rouge là-bas, donc je vais aller voir. Reste dans la base. Ok. Enfin, je suis autour de la base, j'ai mangé d'ailleurs pour avoir pour être full life. Squelette.
D'ailleurs, ça va être bientôt la fin de l'épisode, en toute logique. Yoscat est là. Ok, donc là, ça va être déjà plus difficile de passer. Ou alors c'est toi qui as explosé, je sais pas. Non, j'ai rien explosé, mais ça devait être le tonnerre aussi, c'est bien possible. Ah ouais, c'est possible, mais bon, je veux pas courir de risque à ce point-là. Ça venait de quelque part ici. Alors, est-ce que en sprintant par là, en toute logique, non. Je peux pas grimper là-haut non plus. Bon, par sécurité, j'ai quand même tout rabaissé. Ah, creeper. D'ailleurs, ça va être le jour. Attends, oui, ça va être le jour, donc bientôt le cut. Ah, on voit toujours pas le soleil avec la pluie. Bah, donc, oui, donc c'est le cut en fait. Et voilà. Et c'est sur cette image de poulet carbonisé que je vais vous dire au revoir et qu'on se retrouve à l'épisode suivant. Poulet carbonisé. N'importe quoi. Quoi, c'est un creeper qui a explosé sur un poulet. Mais il est pas carbonisé, il est déchiqueté. Donc, au revoir.